Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau retour de course. Aujourd'hui j'ai fait mes courses au drive de Leclerc et une toute petite partie au magasin. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, c'est des petites moyennes courses. Un peu comme d'habitude, vous allez voir. Du coup, je vous montre tout de suite ce que j'ai pris au magasin pour pas oublier. Donc comme vous vous en doutez, en fait j'ai pris des gâteaux parce que dimanche on va fêter l'anniversaire de Kayla chez ma belle-maman. Et du coup voilà, donc on a pris un bras de Vénus au chocolat qui était pas très cher à 5,60€ et un Paris-Brest pareil qui est en date courte donc qui est bon jusqu'à dimanche et à 9€, donc franchement très intéressant. Ensuite, oui, attends mon bébé, qui ça? J'ai pris ça aux dates courtes aussi au niveau de la viande, donc c'est un rump steak à rôtir, ça a l'air très très bon. Il y a des manches, oui. On est très content de revoir des yaourts parce qu'il n'y a que des flancs au frigo et leurs petits yaourts leur manquaient. Donc ensuite au magasin j'ai aussi pris ça en date courte, donc c'est des steaks hachés pur bœuf. Donc j'ai pris ça et juste de la rhum parce qu'il n'y en avait pas au drive, donc je l'avais pris au magasin. Donc c'est tout pour le magasin Leclerc. C'est quoi sur vous, maman? Attends, après mon bébé, après. Il est très pressé mais je vais ranger les courses et après on va manger, mon cœur, d'accord? Donc j'ai fait le stock en yaourt, comme je vous l'ai dit, on n'avait plus rien. Et un petit appoint en gâteau et bricole. Mais maman, bon, nous... il faut manger à quelque chose. Attends, tu vas manger mon amour, d'accord? Ok, il faut manger à quelque... Tu vas manger le boulgour et la tomate? Il faut manger à quelque chose. Tu vas manger ton yaourt et ton boulgour, d'accord? Je range juste les courses. Il faut manger ça. Après. C'est beau. Donc en yaourt, on a pris des crèmes aux œufs, des marrons suisses, 3 petits paquets de Nesquik, comme ça, ça les enfants ils aiment beaucoup, moi aussi d'ailleurs, des Danonino, j'ai pris 5 paquets de Liégeois au café parce que comme vous le savez, ils sont très appréciés à la maison, 2 paquets de mini yop comme ça parce que ça c'est pour les goûters de Kayla, et en yaourt, il y a aussi les compotes ici que j'ai pris, c'était 2 achetés gratuits. Je me dis que ça serait pas mal pour tester des nouveaux goûts. Donc il y a pomme mangue et pomme pêche. Donc voilà pour les yaourts. Ensuite j'ai pris des allumettes de bacon, du jambon, du fond de veau, de l'emmental, une salade. Bon, elle est minuscule, je sais pas si vous la verrez, mais alors, une mini laitue qui commence déjà à faire la tête. Donc bon, c'est pas grave, ça prend le job. Ensuite j'ai pris ce petit dessert là surgelé qui était en promo, c'était 5€ au lieu de 9 je crois, donc je me dis que ça serait pas mal pour tester. Et surtout c'est un dessert qui va au congélateur, donc je le garde et quand on a un besoin comme ça d'un dessert d'un ami, on a toujours quelque chose au frais. J'ai pris des bouillons de poule, je crois qu'ils étaient en promo, c'était acheté le deuxième à moins 50, quelque chose comme ça, et ça je m'en sers toujours beaucoup avec le Cookéo. J'ai pris des boîtes de ravioli parce que c'est un dépannage pour les enfants, pour le chéri, c'est très bien, c'était moins d'1€. Le fond de veau je vous l'ai dit. Ensuite j'ai pris un paquet de cookies, un paquet de petits beurres comme ça au chocolat au lait. Il y a encore beaucoup de gâteaux à la maison mais c'est pour varier un petit peu. Des compotes classiques, des compotes à la fraise, des petites boîtes de miettes de thon, du pain à sandwich parce que les enfants des fois j'aime bien que leur fassent un sandwich, et un petit shampoing doux. Ensuite j'ai pris du papier toilette, du sopalin et 4 packs de matin léger parce qu'il y avait une très bonne promo, c'était 5€ le pack de 6 alors que normalement c'est 8€, presque 9€ le pack. Donc j'ai fait le stock, j'en ai pour un bon moment mais c'est pas grave. Au niveau des courses, vous l'aurez compris, j'ai pas racheté énormément de viande et tout ça parce que j'ai encore beaucoup de choses dans mon congélateur et dans mes placards. Donc j'ai vraiment fait juste la pointe de ce que j'avais besoin. Au niveau des courses, j'en ai eu pour 70€ sur le drive, je vous parle que du drive là. Et sur les 70€, il y avait 20€ de lait. Donc on va dire que j'ai fait 50€ de courses alimentaires. Et du coup, à Leclerc, quand j'ai pris les gâteaux et la viande, j'en ai eu pour 20€. Il y a 15€ du gâteau et 6, 7, 8€, ouais un peu plus, 8€ de viande quoi. Donc voilà, pas moins de... ça m'a pas fait très très cher quoi. Et puis ça, les gâteaux ça rentre pas dans le budget course, donc c'est pour ça que je le compte un peu à part. Mais on va dire qu'en viande j'en ai eu pour 8€ quoi de viande. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un mini retour de course express. Je pense que le prochain sera un gros retour de course, mais il faudra patienter un petit peu. Voilà, je suis désolée pour ma... j'ai pas le temps de me maquiller aujourd'hui, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires en bas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.